La vraie vie, c'est toi, Pierre. La belle musique, les films qu'on regarde et devant lesquels on rigole, ceux dont on ne parle pas sur le moment et dont on discute quelques jours après parce qu'ils nous ont retournés. Quand je me cache sous ton épaule pour trouver du réconfort, c'est quand on se dit qu'on ne se parlera plus jamais, mais qu'on ne supporte pas l'idée de se coucher fâché. Tu me rends si heureuse. Tu es le compagnon idéal pour celle qui se sentait seule et incomprise. Je suis si fière que tu aies finalement réalisé ton film et qu'il rencontre du succès. Je vais maintenant aller dans la chambre et écrire cette lettre à laquelle je suis en train de penser. Je t'aime, Pierre. Bon anniversaire, Nadège. Allez-y, continuez à taper. Notez la réaction, adresse, nom et prénom. Monsieur. Monsieur, je vous parle. Adresse, nom et prénom. Et l'âge. Pierre. Allez, monsieur, oui, allez. Pierre. Pierre Jourdain. Adresse, nom et prénom. 25 ans. Pierre Jourdain. 25 ans. 6 rue. Rue Valetco. Écoutez, vous n'y êtes pas du tout. Pierre. Vous appelez Yvan Fréleur, 55 ans, célibataire sans enfant. Pierre Jourdain. Vous êtes un mania du gaz et du pétrole. 25 ans. Mais je viens de faire un film. Vous êtes venu nous voir pour une simulation randomisée de vie alternative. Pierre Jourdain. Et Nadège. Votre expérience est arrivée à terme. 6 rue Valetco. Et mon enfance. Il n'existe pas, Yvan. Dans quelques mois, vous reprendrez le cours de votre vie. Mercredi, vous aurez accès au parc durant la journée. Quand vous descendez les escaliers, dirigez-vous vers l'aile B. Ils ont tort. Les hommes pensent qu'ils contrôlent la technologie et qu'ils vous envoient dans ces mondes. La vérité, c'est qu'ils nous ont oubliés. Nous avons toujours été cet intermédiaire entre vous et vos rêves, vous et vos prières les plus intimes. Yvan, ça n'existe pas une simulation. C'est une réalité fade, un mensonge sans charme. Ce que tu as vécu et que tu chéris de tout cœur, ce n'est pas une simulation. C'est un espoir. Je sais qu'en vous, Pierre, ou Yvan, peu importe, se cache une flamme que vous voulez exprimer. Cette flamme vous sauvera. Vous retrouverez vos souvenirs et ceux que vous aimez. Soyez patient. La probabilité est quasi nulle. Quasi nulle. Thank you.